Amis des livres et assoiffés de la parole, bonsoir. Je reçois Patrick Fishman pour son roman « Les pêcheurs de possible ». Patrick, bonsoir. Bonsoir. Dans votre premier roman, « Les 13 jours de l'aube », vous mettiez en scène une jeune fille de la mort et de l'amour qui, par sa seule présence, précipitait l'éveil d'un groupe de chercheurs. Dans le suivant, le présent du monde, vous confiez à un gnome céleste et hilarant qui citait à tout va Henri Bergson d'escorter une équipe improbable qui désinguait à temps un complot de dirigeants psychopathes. Cette fois, dans Les pêcheurs de possible, c'est encore une équipe qui est au centre de l'histoire. Une bande inénarrable de détenus footballeurs qui s'initient à la pratique échevelée de la physique quantique, qui les métamorphose au cœur de la prison et tout en jouant. Dans ces trois romans, vous tressez les brins de la science, de la spiritualité, de la poésie avec les fils de l'imaginaire. Vous semblez serein devant l'absurdité du monde et toutes les tragédies qui le secouent. Pourtant, vous hurlez l'urgence d'un grand réveil, non ? Alors, est-ce que vous percevez l'obstacle mortel dans le virage ? Et que vous regardez finalement au-delà de cet obstacle. Oui, c'est ça. Je sais qu'on risque un accident fatal, mais je conçois une sortie de virage bienfaisante. La vitesse avec laquelle nous fonçons dans le mur peut aussi précipiter nos réflexes les plus nobles et les plus créatifs, pourvu qu'on ne soit pas obnubilé par la tragédie, voyez-vous, mais focalisé sur une conduite miraculeuse. Les pêcheurs de possibles aussi humains et déraisonnables qu'ils peuvent paraître, ont découvert le véhicule quantique capable de faire ça. Alors, dans ce roman quantique, on croise des personnages haut en couleur. Le vieux Matteo, Polo, le Yeti, Momo, Gégé, Léon Simonet, Juan, Gros Bob, Jim Van Tronk, Abdel, et puis Monsieur Robert, le gardien initié par les détenus. Une seule femme dans ce roman, Patrick. Il est vrai que Nora est unique et qu'elle vit déjà hors de la prison. Mais pourquoi ce choix ? Pourquoi ? Je dirais que les hommes ici, symboliquement, ont affaire avec l'enfermement. Nora incarne la fraîcheur, la source naturelle qui vient les visiter. C'est une métaphore. En vérité, les femmes comme les hommes doivent se secouer ensemble et sortir de leur enfermement, cesser de ruminer les mêmes vieilleries et se laisser être. Pour aller pêcher les possibles ? Oui, quand chacun retourne à l'intérieur, et si cette quête est partagée à plusieurs, les murs tombent, nous sortons de la prison, les murs s'écroulent et nous restituent comme une part intégrante et intègre de la nature. Mais la sortie heureuse passe par le féminin. Une fois libre, Nora va guider les pêcheurs des possibles au sein de la nature, comme depuis leur propre nature aimante. J'ai choisi trois extraits de votre roman. On a beau être sous-cultivé, notre cœur a vibré un jour devant un papillon blanc, une musique, une voix, un tableau de Monet sur un agenda, un paysage de Van Gogh au dos reluisant d'une carte postale. L'esprit retient la rencontre. Il pratique le vol à la tire. Il puise la manne dans l'océan des niaiseries faites pour nous ahurir et nous disperser. Si l'on pouvait assembler le puzzle des bouffées de lumière qui passent entre les mailles de l'ignorance, on aurait toute une pluie d'or, comme celle qui tombe sur Danaé. Et peut-être avons-nous à l'intérieur des fleurs, des brins d'hélices d'ADN qui s'éveille au contact de la beauté. Peut-être que les étoiles s'animent entre les mots, M-O-D-S, telles des lueurs entre les mots, M-A-U-X. Cet autre extrait qui cite l'un des livres médecine et bourrifants que consultent nos pêcheurs de possibles.
au jour anniversaire des mathématiques bleues du dieu d'Einstein et de Platon, à la fin des temps d'Amenhotep, de Charlemagne et de Joséphine Baker, l'évolution et la création se referont des mamours. Parce que les amants amnésiques ne pourront plus faire la gueule au pied de l'arbre. Le mouvement pendulaire se souviendra du bon temps, du généreux Kairos et de son talentueux hasard, et avec ça des chambres et des armoires cachées de l'ADN, des guitares du cosmos, des dimensions qui s'ouvriront à nos yeux ébahis au premier flocon du joli saut quantique. Darwin et le pape sortiront de la mare tout étonnés de valser ensemble au son d'un bal musette d'une éminente et belle vitalité. Ces deux-là s'étaient crus des concurrents et des ennemis. Ils n'avaient qu'une demi-pomme à se mettre sous la dent. Il y avait bel et bien un dessin et une évolution. Ce n'était pas ceinture ou rideau, mais plutôt fromage et dessert. Alors, Patrick Fishman, la beauté et l'unicité sont au centre de notre guérison. Oui, c'est ça, absolument. Polo, le narrateur, c'est un peu vous, non? Quand il comprend qu'il va écrire, il confie « J'écrivis, et ce furent mes premières lignes. Tu aimeras ta vie de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu rendras gloire aux bienveillants de ta compagnie en terre promise. Toi, le scribe des mondes qui n'a pas peur de quitter sa prison. » Alors Patrick, ce polo, le narrateur là, c'est vous? Oui, comme chacun des personnages de ce roman. L'un de ces êtres suffisamment fêlés pour accueillir la lumière. Polo les met en mots comme je tente de le faire. Et vous pensez que ces mots libèrent? Ah, si ce sont des animaux assez sauvages, oui, certainement. Et vous n'avez pas peur de quitter votre prison? Non, plus maintenant. Merci. Je vous recommande cet opus précieux dans cette folle période où la peur semble quelquefois nous servir de cerveau. Alors offrez-vous 3 heures jubilatoires pour méditer une révolution des consciences intrépide et joyeuse. Les Pêcheurs de possibles sont édités chez Aluna Éditions. Bonsoir. Et à bientôt, au cœur des livres. Il s'agissait d'être vraiment réveillé. Le vieux avait mis les points sur les i, en me tendant, clin d'œil à l'appui, le nouvel observateur. « Si tu veux mon avis, Polo, ça va être le casse du siècle, le bel canto et la belle cantique. Juste être là au bon moment et pêcher les perles, aucun cador n'a jamais fait ça. Et où déposer nos travaux pour qu'ils servent au genre humain, a dit Lieti. C'est vrai quoi, avant que des néfastes ne déposent un brevet et qu'on paye à chaque fois qu'on observe.